Allez, on va accueillir maintenant quelqu'un qui va nous rejoindre comme l'année dernière régulièrement, à la veille de son retour sur scène. Voici Roland Magdan. Alors Roland, il revient avec le petit garçon qui va continuer à envoyer ses lettres à son papy, à sa mamie. Voilà. Chère maman, je suis bien arrivé dans Vivement Dimanche. Généralement, quand j'arrive dans l'émission, les gens m'applaudissent très fort. Il y a des émissions où ils me font même un triomphe. Et ce qui est bien, c'est que tout ça est très spontané. Je suis passé voir Pépé et Mémé. Cet été, Pépé a grillé un feu rouge et il s'est fait arrêter. Le flic a dit à Pépé, ça va vous faire 4 points. Pépé a dit, c'est super, c'est des points de fidélité. Le flic lui a dit, oui, au bout de 12 points, vous allez gagner un vélo. Le problème, c'est quand Pépé conduit, il devient parano. Hier, quand j'ai dit, mais pourquoi tu mets jamais ton clignotant? Il m'a dit, parce que les gens n'ont pas à savoir où je vais. Non, c'est pas bien de vous moquer des vieux. Hein. Bon, Pépé a fêté ses 100 ans. Michel Drucker est venu l'interviewer. Quand Michel a demandé à Pépé ce qu'il faisait quand il était jeune, Pépé y a dit, j'étais moniteur de colonies de vacances. Tous les étés, je mettais les filles d'un côté sur une île et les garçons sur une autre île à 1 km. Comme ça, à la fin des vacances, ils savaient tous nager. Michel Drucker, qui veut toujours tout savoir, a dit à Pépé, à 100 ans, est-ce que vous faites encore l'amour? Pépé a dit, je fais l'amour tous les jours. Michel a dit à Pépé, comment vous faites à votre âge pour vous en sortir? Pépé y a répondu, pour m'en sortir, ça va, le problème, c'est pour y rentrer. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, c'est pas bien de vous moquer des vieux. Non, c'est pas bien. C'est pas le droit, moi. Hier, j'ai demandé à Pépé pourquoi tu mets toujours ta casquette sur le côté. Il m'a dit, parce qu'après avoir travaillé 30 ans à la mairie, c'est la seule chose que j'ai réussi à foutre de côté. Ah ouais. Avec l'alcool, il y a des jours, il n'a plus qu'une notion de rien. Hier, il m'a dit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui habite sur la Lune. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, parce que toutes les nuits, c'est éclairé. C'est le méfait de l'alcool, ça. Avec l'âge, il y a des jours où Pépé sait plus ce qu'il fait. À chaque fois que son chien fait une connerie, il donne un gâteau. J'ai dit, mais faut pas le récompenser quand il fait une connerie. Il m'a dit, mais je le récompense pas, mais comme je vois plus rien. Quand il bouffe le gâteau, je repère la tête. Comme ça, je peux lui foutre le pied au-dessus. En ce moment, Pépé Mémé arrête pas de s'engueuler. Hier, Mémé a dit à Pépé, pourquoi tu cries quand on fait l'amour? Pépé a dit, je crie parce que tu me donnes du plaisir. Mémé a dit, bah alors je te demande d'arrêter parce que toi, quand tu cries, moi, ça me réveille. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien de l'homogène des vieux. Mémé est en pleine forme. Cet été, Emmanuel Macron est venu visiter le village. Mémé a voulu le rencontrer pour lui serrer la main, mais elle a été bousculée. Et elle est tombée le cul par terre au pied du président. Emmanuel Macron l'a relevé, il a dit à Mémé, j'espère qu'aux prochaines élections, vous voterez pour moi. Mémé a dit, je suis tombé sur le cul, mais pas sur la tête. Signé Roland Magdan qui vous aime très fort. Voilà. Roland Magdan, déjanté, reprend la route avec un nouveau spectacle au mois de janvier. Eh oui. Ah ben dis donc. Presque un an de tournée. Dis-moi, tu m'as jamais parlé de ton vrai Pépé, de ta vraie mémé. Ils avaient cet humour? Il n'était pas loin de ça. Ils étaient pas loin de ça. Merci infiniment.